Bonjour, mon nom c'est Dana Sartout. Je suis une étudiante à Montréal, au cégep de Vanier. Je fais mon troisième année en marketing. Mon prof il est venu dans un de mes cours l'année passée, puis il nous a présenté l'opportunité de venir en France et j'ai trouvé que c'était une opportunité formidable et que ça, ben, je vais grandir avec une expérience et je vais apprendre beaucoup de trucs. Et non seulement ça, moi j'adore voyager. Donc c'était vraiment comme une bonne opportunité que j'aurais kiffé à faire, donc je me suis inscrite, puis voilà. Je suis venue faire mon stage ici en marketing, en communication à l'IUT de Vannes. Je fais des brochures, des flyers, je fais des vidéos aussi par rapport à l'école. Ça s'est super bien passé. Tout le monde était vraiment bienveillant, vraiment accueillant, super gentil. Tout le monde comprenait que je venais de Montréal, donc si j'étais en retard ou quoi que ce soit, ils comprenaient. Puis ils me donnaient toujours des conseils, ils étaient toujours là pour m'aider, donc c'était super, ça s'est super bien passé. À mon arrivée, je suis partie à Paris et à Montréal. Il faut toujours donner des pourboires à tous les services qui sont offerts à nous, mais ici, c'est pas une obligation. C'est gentil de le faire, mais c'est pas une obligation. Et donc, à mon arrivée à l'aéroport, il y avait un taxi qui est venu me rapporter à mon hôtel et il m'a demandé je venais d'où, puis je lui ai dit de Montréal. Et là, en fait, il m'a dit, genre à la fin, quand le prix était à 62, je lui ai donné un billet de 100 et il m'a redonné seulement 30 balles en retour, alors que c'est supposé d'être 38. Et je lui ai demandé, il est où mon 8 euros? Il me dit, c'est les pourboires. Et là, je sors de l'auto, je demande à mes amis, j'étais comme, il n'y a pas de pourboire ici, hein? Ils me disent non. Donc en fait, je me suis fait un peu arnaquer, mais c'est drôle quand même. Marie-Sophie et Fabienne, c'est les deux personnes principales qui m'ont beaucoup aidée dans ces démarches-là. On avait trouvé un appartement, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec, donc on devait relocaliser à un autre endroit. Donc on s'est placé aux résidences de Crous, juste à côté de l'IUT, puis ils nous ont bien accommodés aussi. Je suis très proche avec ma famille et mes amis, donc les laisser pendant une grosse période de temps, c'est dur quand même. Mais ça va, je trouve que j'ai développé beaucoup de maturité ici, puis je suis devenue plus indépendante qu'avant. Donc j'apprécie beaucoup l'expérience. Qu'est-ce qui va me manquer le plus? Je dirais tout le monde ici que j'ai rencontré. J'adore, j'aime trop la culture, j'aime trop les expressions, j'aime trop la nourriture, j'aime trop, je kiffe trop tout, genre les paysages, les bâtiments, tout ça, c'est trop beau.